Yo tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3, donc pour une petite mob à la serre sur Arcaden. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo tout simplement pour vous expliquer pourquoi j'avais pas fait autant de vidéos depuis si longtemps. Donc ça fait plus de 10 mois qu'on s'était quitté. Et je vous avais pas donné de nouvelles, tout ça, donc déjà je voulais m'en excuser. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'étais pas là, pourquoi j'ai pas sorti de vidéo, tout ça. Et donc cette vidéo annonce un peu vraiment le vrai retour, parce que la dernière fois, je vous ai mis un peu un faux plan là, avec la vidéo donc sur League of Legends, que d'ailleurs pas mal de gens avaient apprécié, donc parce que ça changeait un peu de Call of Duty, quoi, parce que je faisais que du Call of Duty sur ma chaîne à la base. Et je vous ai mis un peu de League of Legends. Bon, certaines personnes n'ont pas aimé, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'il y en a, ils me suivent exclusivement pour du Call of Duty, ce que je peux comprendre. Mais j'avais envie de mettre du League of Legends parce que je joue de plus en plus, tout simplement, à ce jeu-là. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'étais pas là. Donc, premièrement, l'année dernière, donc j'étais en Terminal S. Donc, qui dit Terminal S dit le bac à la fin de l'année. Donc, je devais pas mal réviser pour obtenir le bac. Et malheureusement, je l'ai raté. Donc cette année, je redouble pareil en Terminal S. Et voilà. Donc je vais essayer de vous sortir un peu plus de vidéos cette année. Même si j'ai le bac à passer, voilà, il y a pas mal de trucs que je connais maintenant, donc ça va un peu mieux. Sinon, donc déjà, voilà, il y avait le bac. Deuxièmement, j'avais pas trop l'envie, je vais pas vous cacher. J'avais plus trop envie de faire de vidéos. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à une certaine époque, c'était, je crois, que sur Black Ops 2, si je me souviens bien, ou sur MW3, je sais plus trop. Je faisais une vidéo par jour, donc tout le monde était content. Là, je peux comprendre, hein, que tout le monde ait une vidéo par jour. Enfin, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs, pardon, qui font une vidéo par jour. Et moi, à l'époque, je faisais partie de ces personnes-là, donc je proposais beaucoup, beaucoup de contenu. Et je sais pas, à un moment, ça, j'avais plus envie de faire de vidéos, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Ça m'a lassé, en fait. J'avais plus trop envie d'en faire. Donc j'ai fait une pause. De je sais plus combien de mois, 6 mois je crois. Après je vous avais sorti une vidéo sur LOL, mais l'envie n'était toujours pas présente, en fait. Donc j'ai plus fait de vidéo. Et là, je sais pas, j'ai commencé à jouer à d'autres jeux, autres que Call of Duty. Ça veut pas dire que je vais vous mettre autre chose que du Call of Duty sur ma chaîne. Je vous mettrai toujours du Call of Duty, mais je vais un peu plus me diversifier, on va dire. Je vais vous faire du League of Legends toujours, parce que j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui aimaient quand même, donc ça leur fera plaisir. Je vais faire ensuite du Rainbow Six Siege, qui va sortir en décembre, là, au début du mois de décembre. Je compte faire du Need for Speed aussi. Donc je vais faire pas mal de jeux, quoi. Voilà. Donc là, j'annonce mon grand retour. Je vais essayer de faire des vidéos pendant longtemps, là, cette fois-ci. J'ai vraiment envie de refaire des vidéos. Donc, le nombre de vidéos par semaine, par là, je sais pas trop. Je pense qu'on va commencer à 2 vidéos par semaine. On verra plus tard. Enfin, on verra mon humeur si je veux en faire plus, pardon, ou pas. Donc voilà, la MOAB est débloquée. Donc c'est la fin de la vidéo. Donc moi, je vais vous laisser. Encore désolé pour les personnes qui ont attendu autant de temps pour avoir une vidéo, je m'en excuse. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo qui sera sûrement sur du League of Legends avec un pote à moi. Voilà, ciao tout le monde.